about it before. Oh, no. Well, I could. C'est fait. Johnson est mort? Non. Il est parti pendant qu'on détruisait son thé. Pour préparer d'autres horreurs, sans doute. Tu aurais dû le tuer, Connor. C'était inutile. Ça, seul le temps pourra nous le dire, mon petit. Gaiden! Galen Dorgon, que fais-tu ici? Il est arrivé quelque chose? William Johnson est revenu, avec la somme nécessaire pour acheter nos terres. Il parle aux anciens en ce moment. Je les ai implorés de refuser, mais Johnson triomphera sûrement si tu n'interviens pas. Comment a-t-il fait? On a détruit le thé.
Sache que les Templiers parviennent toujours à leur fin. Tu aurais mieux fait d'écouter mes conseils. Mon frère, tu dois empêcher ça. Bien sûr. Sais-tu où a lieu cette rencontre ? Not gonna the rod it canus the ne Johnson's you jot the rocksta. Qua he can see what neganun haradun hagedum. The quater hard at qua canto. Five, one.
peuple l'ont. L'esprit nous guideront, comme ils l'ont toujours fait. Et nous ont-ils pas guidés ici? Oui, afin de démasquer le grand traître. C'est une erreur. Il faut signer. Là-bas, regardez, emparez-vous lui. Allons, du calme. N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussé. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre. Tu nous menaces? Oui. Vous avez envoyé l'un des vôtres pour le tuer. Vous avez fait un peu comme l'erreur. Très cher. J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui, afin de les protéger. Tu crois que le bon roi George se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume? Ou que les citadins s'intéressent aux tribus indiennes? Oh, bien sûr. Les colons sont ravis de commercer avec elles, quand ils ont besoin de nourriture, ou encore de vivres pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite, et que des champs ne suffiront plus. Quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre, ils révéleront leur vraie nature. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Le monde est ainsi fait. La guerre viendra. J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver, et pourtant tu les tuais. Oui. Car il refusait de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Ayawas ne yate hagum sere, andahyayu neskana zizagum haje. Thank you.
Allez vite! William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des Patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver et lui ôter la vie. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé, mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie.
qu'est-ce que c'est ? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Les Tuniques Rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les Fils de la Liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à M. Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Où dois-je aller ? Monsieur Revere habite à Boston. Si vous voulez, je... Ah, Connor, quelle joie de te voir. Permets-moi de te présenter William Dawes et Robert Newman. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concord pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Il a des dizaines, sinon des centaines de soldats sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le combattre seul. Mais ne crains rien, tu ne seras pas seul. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Tu dois la convoquer sans tarder. Avec joie. Tous les deux, nous traverserons le Charles pour rassembler nos hommes. William, fais de même, en passant par les terres. Robert, tu dois te rendre à Christchurch. Allume le signal. Deux lanternes si notre ennemi vient par la mer. Pas question de traîner, mon ami. Des vies sont en jeu. Allons !